Chers amis du passé, bonjour. Je vous parle depuis l'an 2045 pour vous souhaiter une bonne année 2018 avec 27 ans de retard, car à l'époque j'ai complètement oublié, j'en suis désolé. Si vous vous demandez pourquoi mes lèvres ne bougent pas, c'est parce que j'ai acquis la faculté de parler par télépathie aux gens du passé à travers des vidéos YouTube. Et s'il semble que je n'ai pas vieilli d'un iota, c'est grâce aux progrès exceptionnels de la médecine qui permettent aux YouTubeurs comme moi de paraître éternellement jeunes. Vous avez de la chance car j'ai l'autorisation exceptionnelle de vous donner quelques informations sur le futur, et ça tombe bien, puisqu'un nouveau roi vient tout juste d'être couronné dans notre très chère Frangique. Oui, les deux pays ont fusionné en 2040. Après 3 années sous le règne de Jules III, le fils du chanteur culte de votre époque, alors comment on fait déjà c'est un très grand soulagement d'avoir enfin un homme responsable en la personne d'Antoine Daniel, le youtubeur qui aime les chiens qui pètent, à la tête de notre pays. Peu d'événements importants vont se produire durant les 27 années qui arrivent, mais certains vont avoir des répercussions gigantesques sur vos vies, comme par exemple l'annulation de la série The Walking Dead après la saison 9. J'y étais, nous étions tellement heureux que ça se finisse enfin, putain, j'en ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Le retour de Michael Jackson fera aussi sensation puisqu'il avait en réalité trompé le monde et vivait paisiblement dans un village caché au pied du mont Ventoux. En ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui 63 ans et je voyage énormément. Il y a 2 minutes, j'étais au sommet de l'Everest et quand j'aurai fini de raconter ces conneries, enfin je veux dire, de cette histoire pour vous, amis du passé, j'irai faire une partie de chess ping pong VR avec mes vieux et très vieux potes, respectivement Kushtoff et Akoram, pour lesquels j'aurais pu ajouter encore 2 ou 3 très vieux. Concernant les jeux vidéo, ils ne font plus qu'un avec la réalité. Nous nous sommes fait greffer un PlayStation VR 12 dans le cerveau. Alors aujourd'hui j'ai un PlayStation VR d'origine sur la tête pour ne pas trop vous perturber, mais le VR greffé dans le cerveau c'est très pratique, sauf quand parfois je pense avoir fait des nouilles au beurre dans la réalité, mais qu'en fait c'était dans le jeu, et du coup je crève la dalle. Bref, j'aime bien vous raconter ma vie dans le futur, mais j'ai pas que ça à faire, alors je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2018, j'espère que vous ne serez pas trop triste après la mort de Tyrion dans la dernière saison de Game of Thrones, qui sera fort heureusement suivie par une scène de cul incestueuse qui vous redonnera le sourire, j'en suis sûr. Allez, gros bisous du futur, bye bye.